trouver le grand-père. Il serait seul, chez lui, un soir. 86 ans qu'il serait né. Son regard, bleu, presque délavé, malicieux quand il taillait ses cigares. Pas de téléphone, pas de lettres, de télégramme, pas un seul signe de vie. Sa maison sert de passage, de refuge, à des soldats russes. Un rouge pur et dur. La vie continue. Que retenir de ces 86 ans ? D'une enfance partagée entre le travail au champ et l'école. Le marché aux légumes chaque lundi. La mère qui grogne devant les fins de mois difficiles. Une vie de labeur, sans jamais s'arrêter. Une femme fragile. Malachi, reviens! Reviens!
son fils aîné. Marié, père de deux enfants. Cadre supérieur dans une banque. Tellement différent de lui, paysan aux mains calleuses. Sans nouvelles d'elle, sa fille cadette, Mariette, quelqu'un qui lui ressemble un peu, à lui, le vieil homme. Dans ses chaussures de citadin.